Voilà le 5 de départ avec le classique, hein, Amel Boudera, Sarah Chevaujon, Victoria Viviats qui vient d'arriver au club, Brianna Fraser et Nikolina Milic. L'AT Montpellier avec cette équipe très solide, on l'a vu depuis le début de saison, Julie Vandeloup, Romane Berniès pour l'AMEN, Garance Rabot, une nouvelle fois titularisée, la jeune joueuse ancienne de l'ASVEL, et puis Elodie Nègre et Mariam Badiane, pardon. Toujours pas de panier dans le jeu pour l'AT Montpellier qui n'a marqué que sur lancer franc de Romane Berniès. Vandeloup, vraiment, elle a beaucoup de qualité, elle a beaucoup de, c'est une joueuse qui a de la force physique, qui a une intelligence de jeu, et c'est vraiment une belle joueuse. À l'intérieur, bon, et oui ça passe sur le terrain là, deux joueuses qui peuvent jouer à la main, Ingrid peut jouer à la main, Shea peut prendre la main aussi, qui est capable de le faire, et c'est vraiment très intéressant le choix des deux coachs. Parce qu'on a deux joueuses qui se battent pour la balle, et ça montre encore la combativité, l'agressivité, l'envie de récupérer ses ballons, de défendre fort. On sent, hein, y a un petit doute qui s'est installé dans la tête des gazelles. Et écoutez le public. Si vous la laissez dérouler, elle est capable de monter jusqu'à 10, 12, elle sera inarrêtable. Vandeloup, bonne lecture, Miniatouré, tir ouvert, à 3 points. Difficile pour Sarah Chevaujon, et ça permet aux gazelles de revenir peut-être. En même temps, l'attaque est en difficulté, elles veulent assurer le coup, mais elles n'assurent pas le coup du tout. Elles perdent le ballon, au contraire. Ça va vite. À la course pour passer devant, le tir à 3 points. Ça devient compliqué, il faut gérer les ballons, faut pas les perdre, c'est des ballons qui sont précieux. Vandeloup, oh là là, joli. Tenter un dernier tir pour égaliser ou pour passer devant pour l'AT Montpellier, option. Quelle va être celle choisie par Vandeloup? Elle a le tir ouvert, elle a le tir à 3 points, elle le tir à 3 points pour faire lever la foule. Elle avait une grande devant elle, elle a préféré trouver Viviane dans le corner. C'est ressorti et il y a un 3 contre 3 à jouer, à négocier. La course, elle est ultra rapide. Hésiter, elle a raison de prendre ce tir là qui est construit, donc elle a tout à fait raison. Vandeloup, elle a été à droite tout à l'heure. Mais c'est un petit peu la vérité de toute cette partie, Mélissa, hein, l'AT Montpellier qui a eu énormément de mal à démarrer l'écartant. Et peut-être en train de faire le grand coup cet après-midi, avant peut-être la réaction. Vandeloup, la belle patience, Vandeloup qui prend sa chance à 3 points. Les grandes joueuses dans les grands moments. Le réveil de Fraser dans la fin de match, Vandeloup qui traverse le terrain. Mich qui réussit dans un fauteuil ce tir. Et ça court de l'autre côté aussi vite. Vandeloup, elle est possédée. Vandeloup possédée. Et ce lancer, il est très précieux. Si elle le met, c'est quasiment terminé. Si elle le rate, mais c'est Brianna Fraser. Pas de temps mort pour Valérie Demory. Le ballon qui est lancé pour Julie Vandeloup. Donc ce sont des points précieux que lorsqu'on a la possibilité, il faut les réaliser, il faut les mettre. C'est très important. Tentative de premier lancer. Ouf, ça rentre et c'est maintenant que ça va se jouer en moins d'une seconde. Elle va tout faire pour le manquer et donc offrir à l'une de ses coéquipières un rebond offensif et deux points. Sinon c'est terminé. Oh, ça rentre, non. Mais après le buzzer, la victoire a priori pour les Flammes Carolo. Le panier ne sera pas accordé malgré la réussite de Linskens.